tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup sur l'idole. Ouais, un retour de course donc pour une semaine, tenir une semaine. Si vous avez 66€, donc c'était à 66 et quelques je crois. Ouais. Donc voilà, donc si vous avez 66€ et pas plus, et ben pour une semaine, on vous a fait un petit choix, un petit machin, et encore, vous pourrez faire quelques petites économies parce que nous, on a pris pour les chiens. Mais vous, si vous n'avez pas de chien, et ben vous pourrez encore en prendre un peu plus. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment excellent ce qu'on a pris. On a pris pas mal de produits, on a essayé de se concentrer, on est sorti un peu plus tard. Oui, c'est vrai. Donc voilà, et donc c'est top, c'est parti. Alors du coup, on va commencer par le surgelé. Alors du coup, on a pris quoi? On a pris une pizza. Pizza cuite au feu de bois Monster lardon crème pomme de terre et emmental. Sympathique, hein, ouais. Celle-là. Voilà, on a pris aussi les petites pommes noisettes. Alors ça, là, je ne vous les présente plus, je les présente plusieurs fois. 0,89 centimes. Le paquet est plutôt gros en plus. Vous pouvez en faire au moins, pendant au moins, si vous voulez vraiment faire la journée entière, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez les faire même plus. Matin, j'allais dire. Matin. Midi et soir. Ouais, mais ouais, le lendemain, vous pouvez en refaire. Franchement, c'est le top, regardez-moi ça. Et c'est vraiment trop bien, il fait 1000 grammes et c'est vraiment cool. Voilà. On a aussi pris des pommes frites. Voilà, pour faire des frites. Ça fait longtemps que les filles n'en ont pas mangé. T'as vu derrière, on dirait Las Vegas un petit peu. C'est à l'américaine. Ouais. Ah ouais. Ah bah tu vois. Ouais. Top. À l'américaine. C'est quoi la marque? Hervest Basket. On a pris deux légumes, donc cette fois-ci, moi, Sophie me faisait une super recette trop bonne. Hein. Elle vous fera un jour une recette sur ça. Elle est tellement bon, hein. C'est tellement bon, vraiment, c'est super excellent. C'est au poireau. Et franchement, voilà, là, on a pris 3 poireaux, donc sympathique, voilà. Plutôt bon, voilà. Normal, quoi, c'est du poireau. Voilà, j'en fais tomber en plus. C'est génial. Ensuite, on a juste pris des pommes de terre, histoire de tenir. J'ai... Oh, il y en a un qui est. Oh, une pourrie. Ouais. Juste pour tenir, voilà. Donc on a pris des petits lardons fumés, donc ça, ça va servir aussi pour les petites recettes que vous allez faire dans votre petite cuisine. Vous allez popoter une petite cuisine, dans votre petite cuisine, vous allez faire plaisir, tu vois. Bon bref, allez, lardons fumés, donc voilà. Je sais pas ce que tu veux faire avec, exactement. Mettre dans les pâtes. Ah, mettre dans les pâtes, donc c'est parfait, on va vous présenter ça après, ça va être excellent. Ensuite, on a pris du jambon supérieur, moins 25% de sel, et il n'y a que 4 tranches. Voilà, du coup, c'est pour faire des cordons, non pas des cordons bleus, des croque-monsieur, voilà, pour les filles. On a pris des petites allumettes de jambon chaud ou froid, donc voilà, sympathique aussi, ça sera pour la quiche que je vais vous présenter après. Et c'est une petite quiche aussi plus sympathique, donc ça va servir aussi. Ensuite, on a pris du jambon cru fumé, grande tranche, et il y en a 14. Donc du coup, ça sera aussi pour les croque-monsieur, pour histoire de changer avec le jambon et ça. Ça va servir, ça va servir. Ouais. On a pris les petits knacks, donc ça, ça va servir pour une vidéo. Donc pareil, pour une machine qu'on va essayer. Donc ça va être sympa. Voilà, à chaque fois, je ne sais pas si je le dis à chaque fois pour essayer. Ouais, tu... Parce que je dis à chaque fois, mais je reporte la vidéo. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, la dernière fois, on avait pris des fumées. Je ne sais pas comment ils étaient bons. Parce que là, ils ne sont pas fumés. Ils sont fumés. Ah, oui, mais fumés plus que ça. Ils étaient verts, ah ouais, je crois. Fumés avec des herbes, je crois. Enfin bref, voilà. Donc sympathique, des petits snacks, voilà. Normal. On a pris 30 œufs frais. Voilà. Bon, ça, c'est bien. On peut faire des omelettes, des quiches, tout ça. Des quiches, des. Obligation d'avoir ça. Ouais. Voilà, si vous voulez vraiment faire ce qu'on a fait. Des gâteaux. Des œufs à la coque. Ouais, on peut mettre tout. Quoi. Ça, c'est bon, ça. De tout. Voilà. Dites-nous en commentaire comment vous les faites, vos œufs. Vous les préférez comment? Des petits noodles, banzai, noodles saveur bœuf, je les ai vus aussi. Sophie, elle n'était pas au courant, je lui mets comme ça en thread. Et voilà, donc sympathique. Bon, tu vois, pure bœuf, donc il est bon celui-là. Voilà, magnifique. Donc ça sera pour moi, bien sûr. Et t'as pris aussi des banzai nouilles saveur curry. Donc ça, là, ils sont bons. C'est des banzai noodles. T'as dit banzai nouilles. Quoi, banza noodle? T'as dit banza noodle? Ah ouais, bah, c'est des nouilles. Voilà, donc sympathique aussi, ça tient ces trucs-là. Après, c'est mieux de carrément, si vous voulez vraiment pas acheter ça, vous faites carrément vos nouilles vous-même et puis bah, c'est encore mieux. Voilà, vous mettez du curry et puis voilà, c'est encore mieux et c'est encore moins cher. Voilà. Petite quincaillotte, donc pour la petite aussi. Donc ça va lui faire plaisir. Donc elle en voulait, elle aime bien faire ça et tremper dans du pain et tout. Donc on fait plaisir, on est gentil. Ensuite, on a pris du surimi XXL. Donc là, il y a 50 bâtonnets de surimi, donc ça c'est trop bien.
Hop, on pourra en faire dans les entrées, on pourra les mettre dans les pâtes, on pourra en faire le... Dans les quiches, voilà, ce que vous parlez, la quiche dedans, direct. On peut mettre ça, donc ça va être ça, avec les dés de lardons, là, je ne sais pas ce que c'est. Lardons, jambon, je ne sais pas quoi, là, des jambons. Voilà, ces trucs-là, ça fait super bon. Allez, on passe sur du petit bouillon de poule. Donc ça, ça va servir aussi pour les pâtes, en mettre dedans, ou même pour les soupes, ça pourra toujours servir. Donc voilà, petit bouillon de poule qui fait toujours plaisir. Je trouve que ceux-là, c'est les meilleurs et je vous les conseille. Ensuite, on a pris un, tu as pris le camembert, le rustique Jean Verrier fromager. Voilà. Ouais. J'ai vu que si on en prenait deux, il y en avait un gratuit. Je n'en ai pas pris deux, ça faisait cher après. Ouais. Deux, ils coûtaient 1,20€, 1€. Combien? Et deux? Non, un. Ah. Un, là. Donc voilà, on a pris aussi des petites demi-baguettes. Donc on en a pris deux. Donc voilà, ça fait 4. Donc voilà, 4 demi-baguettes. Donc pareil, pour faire des sandwichs ou pour faire, comme on vous a dit, le pain avec la machine là, hein, hot dog, on peut le faire aussi avec ça. Donc c'est cool. Et bien sûr, pour ne pas changer, il y a un pain qui est cassé. Ouais. C'est toi qui les as pris cette fois-ci, encore une fois. Ouais, mais je n'ai pas d'aller derrière. Deux fois de suite. Ensuite, on a pris de l'emmental français râpé. Voilà, pour mettre dans les pâtes, dans les quiches. Vous voyez, c'est tout vraiment quiche, pâtes. Voilà, on vous fait vraiment un repas tranquille. Pour une semaine, si vous êtes en galère et que vous n'avez que 60€. 66, pardon. Ouais, 66. Même avec 60, et tu encore, oui, 60. Les croquettes, voilà, les croquettes, t'as pour 60 balles. Voilà. Tout à fait. On a pris des sauces, on a pris une sauce poivre, bien sûr, c'est ce que j'aime moi. Hein. Après, vous pouvez prendre une autre sauce. Voilà, sauce poivre, vraiment excellent. Voilà, Benedicta, ça fait toujours plaisir. Et moi, je me suis pris la sauce curry. I love curry. C'est vrai, elles sont bonnes, ça va. Après, c'est pas bon pour la santé, mais c'est bon. Petite crème liquide aussi, donc sympathique, crème Envia, les moins chères, les autres ça sert à rien de les prendre, elles sont beaucoup plus chères. Donc voilà, donc 12% de matière grasse, donc voilà comme vous pouvez voir, nickel. Voilà, ça pareil pour les quiches ou pour quoi que ce soit, les peu pâtes, importe, les pâtes, le riz, vous pouvez utiliser pour tout le monde. Ouais, on en a hein, du riz, du quinoa, oui, et tout ça. On en a plein. Et tu as pris aussi de la crème fraîche, légère, épaisse cette fois-ci. Voilà, ça va du servir coup, pareil. Voilà, il y en a deux. Pareil. Pour les quiches, les machins, vous pouvez faire plein de trucs, vous voyez. Vous avez le libre choix de votre produit après que vous prendrez derrière, que ce que vous allez faire pour vos quiches et tout bordel. Donc allez, on commence après par les petites pâtes feuilletées, ce qu'on vous parlait. Petites pailles feuilletées, j'ai pris, je crois, presque les moins chères, parce que je crois qu'après, il y avait encore moins cher, non? Top du chef. Top du chef, et pour moi, la moins chère qu'il y avait, le reste, il n'y en avait pas. Donc voilà, petite top du chef, des pâtes feuilletées. Donc voilà, pareil, c'est vraiment excellent. Ensuite, tu as pris aussi du tomacouli. Oui. Voilà, nature. Donc ça, c'est bien aussi pour les pâtes, pour les quiches, pour les... C'est ça. Ça, très bien. Donc, pareil pour les frites. On a pris de l'huile parce qu'on n'est pas bête. Hein. Vous pouvez bien sûr pas acheter ça. Pareil, économiser et les mettre dans le four. Si vraiment vous n'avez pas d'huile, vous les faites dans le four, vous mettez vite fait de l'huile d'olive dessus, machin, et vous les faites cuire. Voilà, avec quelques épices aussi, c'est tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a pris de l'huile de tournesol 3 litres. Comme ça, nous, on est peinards. Même ça pourra servir pour autre chose. Donc voilà, comme ça, on est bien et ça va durer dans le temps. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va vous durer dans le temps. On essaye de faire en sorte que ça dure. Exactement. Ensuite, on a pris les pâtes XXL et on a pris les fusillis. Voilà. Ouais, c'était pas trop cher en plus. Hein. Non, c'est vrai. Ah, pas trop cher. Moi, c'est ceux que je préfère, c'est ça. Avec les pâtes papillons. Ouais. Les pâtes étoiles, la soupe de pâtes, si vraiment vous en trouvez, mais Lidl, il n'y en a pas. Je n'en ai pas vu dans le nôtre en tout cas. Mais si vous en trouvez, prenez-en et vous mettez un cube pareil. Et bien là, ça va vous durer pas mal de temps aussi. Hein. Voilà. Ensuite, on a pris encore en sauce la mayonnaise parce qu'il n'y en avait plus. Voilà. Donc voilà, vraiment excellent. Et on a pris les petits Maître Jean-Pierre, grande tranche nature. Voilà, ça pareil. C'est pour faire quoi? Tu voulais faire des croque-monsieur, c'est ouais, ça? Croque-monsieur. Des croque-monsieur, pareil, si vous avez la machine, trop bien. Vous mettez vos trucs, vous fermez. Ça vous fait un putain de croque-monsieur. Pareil, jambon. Même si t'as pas de machine, vous les mettez sur le four, soit à la poêle aussi, vous les faites retourner. Voilà, vous pouvez toujours vous débrouiller, hein. Comme on vous a dit, vous pouvez toujours vous débrouiller avec quelques trucs pour tenir. C'est pour vos enfants, pour machin. Vous pouvez tenir sur plein de choses. Après, vous ne serez peut-être pas d'accord avec nous, mais nous, on vous dit nos points de vue et comment on pense. Voilà. Puis pour ceux qui ne sont pas contents, Ensuite, on a repris du sucre en poudre parce qu'on n'en avait plus. Du coup, on en a repris. Donc, sympathique. Et là, on passe au yaourt et ça fait plaisir. Pareil, c'est pas du tout cher. Hein. Donc, on a pris des trucs. Pas du tout cher. C'est cher, mais pas tant que ça. Après, vous pouvez faire des économies. Comme je vous dis, vous pouvez avoir encore plus de choses que ça. Donc, des pommes égaux. Donc, voilà, on en a pris deux. Donc, deux petites pommes égaux. Super bien,
Bon, voilà, je sais pas combien il coûte exactement. 99 centimes. Ah, 99, voilà. Alors. Ensuite, on a repris des yaourts comme ça. Donc, du coup, ils sont à 2 euros et quelques. C'est des yaourts fruits mixés, mais sans morceaux. C'est à l'abricot, fraise, framboise et pêche. Voilà, on a pris des gros yaourts pour essayer de tenir toute la semaine. Tout à fait. On a pris une petite promo, entre guillemets. 4 plus 2 offerts. Nestlé, la laitière, 690 grammes. Donc, pas mal. Regardez-moi ça. Sympathique. On vous conseille de prendre ça. Hein. C'est pas trop cher. Et encore, je pense que vous pouvez peut-être prendre moins cher encore parce que nous, on prend des trucs qui nous intéressent. On va pas non plus se restreindre sur tout. Voilà. Ensuite, on va passer au gâteau. On a pris de la brioche tranchée. Voilà, c'est quelque chose qui tient aussi. Voilà, la date, elle est du 31. Donc. Et bien là-dedans, ils peuvent mettre aussi du Nutella. Tu vois, au lieu de prendre des trucs de croquettes de chien qu'on présentera après, vous pouvez mettre du Nutella ou de la confiture. Ah, mais pas sur, pas sur ça. C'est sur là-dessus. Ah, ils vont mettre des croquettes, ils vont mettre non, des croquettes sur mais les... Non, mais non, n'était là, j'ai dit. Voilà, la place des croquettes, j'ai dit. Au lieu de les prendre, vous prenez ça. Et on a pris des crêpes céréales croustillantes, j'adore cela. Je les ai pris pour toi, bien sûr. C'est quand tu me marres, il y a des petites billes dedans. Ouais, on les connaît tous. Hein, des petites billes dedans, des petites crêpes et céréales croustillantes, magnifiques. Donc, franchement, ça, c'est le top. Ensuite, on a repris une galette des rois. Elle était en promotion. Elle. 1,60€, je crois. Ouais, vraiment trop bien. Elles voilà. Étaient à la caisse. Ouais, c'est ça. On l'a repris parce qu'à chaque fois, moi et Maë, on n'arrive pas à avoir la fève. À chaque fois, c'est soit toi. Deux fois. Soit Lana. Mais nous, on a la guigne. Ouais. Sur toutes les galettes qu'on a mangées depuis, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi à avoir la fève. Non, c'est clair. On a pris aussi des petits 10 pains au chocolat. Pareil, ça dure dans le temps. Vous en avez plusieurs dedans ? Par sachet en plus pour ceux-là qui ont des anniversaires avec maintenant les problèmes d'école ou quoi que ce soit, vous les avez en sachet individuel à l'intérieur, vous pouvez prendre ça et c'est pas trop cher, des pains au chocolat. Hein, franchement, ils disent à chaque fois. C'est galère, franchement, il y en a ras-le-bol. Dans notre école, ils disent tout le temps de prendre en individuel, ils peuvent pas prendre genre un cake, ils peuvent le couper. Non, c'est interdit, c'est par paquet ou même bonbons pareil, individuel, tout ça. Pour les bonbons, hein, voilà. Oui, les bonbons, c'est normal. Non, c'est pas normal parce qu'ils veulent pas les bonbons, il faut vraiment individuel. Les bonbons qui ouais, mais tu vois, sinon, c'est mieux d'avoir des bonbons quand même fermés que des bonbons. Ouais, c'est ça. Pour les bonbons, ok, je suis d'accord. Mais pour les gâteaux, ouais, les gâteaux. Aussi, les fermer dans ma boîte, après la femme avait pipi, mais un coup pour tout le monde, elle fait ça à part. Franchement, ça devient pénible. Parce que notre prof, elle disait en gros, comme quoi, genre, ça lui faisait chier de couper. Elle voulait pas le couper. Elle voulait pas couper le gâteau. Parce que c'était un cake. Franchement, on part moins. Ça commence à vraiment nous faire péter les plombs, ça. Ça, c'est clair. Là, pareil, la notre fille, elle n'a pas pu aller à l'école parce qu'il fallait les autotests, là. On n'était pas au courant. Le PC, en ce moment, on a une galère avec. Ouais, au jour où on vous parle, ça sera peut-être décalé, comme les jours sont décalés. Ouais, c'est vrai que là, le PC, il est mort. Hein, donc, je suis obligé de racheter des pièces pour tout refaire. Donc, il faudra que je me mette au boulot. Donc voilà, c'est la galère. Du coup, on a fini avec les gâteaux. On va passer à la boisson. J'ai juste pris ça, moi. Ouais. C'est saveur citron. Voilà, comme ça, dès que j'ai fini, ben, je peux mettre de l'eau dedans. Parce que j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau. Tout à fait. Parce que j'aime pas l'eau de base. Ouais, c'est vrai que tu as un problème au niveau de l'eau. C'est vrai que je bois, c'est très rare que je bois. Souvent, moi, je bois moins aussi. Donc, ouais, on n'a pas de bouteille, c'est ça. Moi, au début, j'aime bien prendre des bouteilles comme les Vals, mais c'est pas de la Vals. Niveau Lidl, et vraiment c'est trop bien parce que je peux boire souvent. En fait, ça me fait boire parce qu'il y a du goût et tout. Que là, j'ai plus de bouteille, je me dis merde, il faut que je prenne un verre. Enfin, je sais pas si c'est la feuillantise ou quoi, tu prends un verre ou je sais pas. Non, je sais pas, et puis on n'y pense pas, forcément quoi. Tiens, on va boire un verre d'eau. C'est clair. Bon, allez, c'est bizarre de dire ça. Bon, allez, voilà, allez, on commence. Ça, c'est à toi, non, je crois. Non, mais j'ai fait ça. Non, j'ai fait ça. Ah, pardon. Alors, on a du liquide vaisselle Wix. Donc, je crois qu'Action est lié, le Wix. Je suis pas sûr, mais je pense. Petit Wix, voilà, si vous pouvez faire plusieurs magasins, vous allez à Action, peut-être qu'il y en a du moins cher. Hein. Voilà, si vous pouvez faire plus de magasins, vous voyez, vous pouvez trouver, hein, si vous voulez vraiment. Bah franchement, les produits, tout ce qui est produits ménagers, tout ça, c'est bien. Action, c'est le top. Du coup, voilà, on termine avec les croquettes du petit chien. Voilà, c'est des Orlando Gourmet, petit chien digestion sensible. Pour l'alimentation des petits chiens. On a pris ça parce que il y avait le petit chiot qui essaie de faire pas mal de diarrhée. Hein, à un moment donné, il faisait pas mal de diarrhée. On a changé pour d'autres. C'était pas les mêmes que ceux-là. C'était l'autre paquet on avait pris, mais c'était pas digestion facile, sensible. Digestion sensible. C'était l'autre, un autre. Et il mangeait bien et ça commençait à être solide. Donc c'est ça qu'il faut prendre absolument. Et ceux-là d'Action les a testés et ça faisait quand même liquide. Donc ceux-là, ils les apprécient mieux et c'est ceux-là qu'il faut. Donc pour ça, bon, on va maintenant tout le temps acheter ceux-là. Ils sont à 2 euros et quelques. Je crois que c'est ça.
2 euros et quelques. Donc voilà les paquets. Et à Action, je crois que c'est pareil, c'est à peu près les mêmes prix. Oui, c'est ça, c'est 2 euros et quelques à Action. Ouais. Voilà. 99, bah là, je crois que c'est pareil. C'est même un peu moins cher, je crois. Ouais, faudra regarder. Voilà. Hello! Hello, les amis! En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, mettre des commentaires, de partager. Ouais, et voilà, on se retrouve de toute façon pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas d'aller sur Insta aussi. Hein? Ouais. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Sophie Maxa. Allez, salut tout le monde! Ciao! Encore cette barre!